Bravo, gloire à Jésus, c'est bien. D'accord, sans problème. Appelez-moi Armand, qu'il vienne et qu'il soit l'avant-midi. Sœur Minou, arrête les bruits. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Que ton nom soit loué, qu'il soit béni. Merci pour mes frères et mes sœurs qui se connectent ce matin pour ce direct, pour ce moment de grâce et de bénédiction, de brisement des malédictions de la terre. Seigneur, que la louange te revienne pour l'éternité. Béni sois-tu pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Qui est là? Shalom, shalom à tout le monde, à tous ceux qui sont là. Ça va, c'est bon les garçons, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Bonjour à tout le monde. Que la gloire de Dieu qui surpasse l'or et l'argent soit ton partage. Connectez-vous massivement, partagez la vidéo s'il vous plaît. Nous sommes en train de travailler pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est vivant. Et il nous accorde encore une belle occasion ce matin. Et nous sommes en plein programme du côté de la Bire. La main de Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Dieu est en train de bâtir le caractère de Christ en nous. Et je loue Dieu pour ce programme qui est une grande bénédiction. Donc, si vous n'avez pas assisté à ce grand programme, s'il vous plaît, faites-le à partir d'aujourd'hui. Soyez là en soirée à partir des 16h-17h à la Bire, en Kouaban. Quand vous arrivez en Kouaban, au Carrefour, demandez tout simplement qu'on vous accompagne à la base internationale REMA, la Congrégation Baptiste Camerounaise, Bire. Et comme vous le faites, vous retournerez chez vous étant chargé de grâce et de bénédiction en cette soirée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous venons dans sa présence humilier nos âmes devant lui. Et nous travaillerons comme ça. Nous allons clôturer ce grand programme ce dimanche avec deux grands cultes, 7h, 10h, 10h, 13h. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons cinq cultes en soirée à Douala à partir de 16h. Donc, les habitants de Douala, nous serons ensemble. Et en Ngaoundéré, je serai en Ngaoundéré le 3 mai. À partir de 16h au quartier Onaref, au niveau de notre église, là-bas, la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse Réma d'Onaref, nous serons là-bas à partir de 16h, du 3, et du 4 au 6, tous les soirs à partir de 16h, nous serons à Garoua, dans notre chapelle à Garoua, en face de l'hôtel de la Canne, au quartier Plateau. Donc, que Dieu te bénisse, tous les habitants de Garoua. Min do yidi mon ha garwa ton be ngaundere mi wonan ngaundere to lawdiri do le 3 mai kiki de a partir jam di 9 mi wonan ha quartier on arrive fa église amin ha ton e be ngaundere bo garwa bo mi wonan garwa o mi tam mi waran no garwa dernièrement ma min hebi empêche mama jonta do kam min andi Allah hokkana min dalila yottugo ha mon o min do yidi mon jor min do tora je monta ton manka kadi di 4 au 6 mai qui est fou, à quartier Plateau, en face, hôtel de la Canne, oh, to Alari, en face, hôtel de la Canne, oh, Alaran, plaque Rema Ministry Mission, Allah wanna ma baraka kadinde, inde isal masiyu. Dear listener, we love you so much in Christ Jesus, our Savior. So we are just telling you that we have a great program here in Yaoundé right now, as from 4 p.m. today, we'll be continuing this program, this great program, this changing program. And I just encourage you to be part of this program. Don't miss it because it is a grace from God. It is an occasion from God. It is an opportunity from God. So you have to seize this opportunity to go in how will I say, in the mysteries of the revelation of the Word of God and of the mind of God for your life. You see, when you are not settled on your place, on the place that God wants you to be, I tell you the truth, you will not be happy in your life. So this program is just to settle you in your place, to allow you to manifest the glory of Christ in your life in the appointed time. May the Lord bless you in Jesus' name. Amen. Donc, by the grace of God, I think we'll be in Ngaoundéré on the 3rd of May, and from the 4th to the 6th of May, we'll be in Garoua. May the Lord bless you. Just be part of us, and the Lord will bless you.
Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette occasion, merci pour les frères et sœurs qui se connectent dans le monde entier. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Vous voyez, chers amis, hier, je vous ai donné, je me suis efforcé à donner mes numéros, à faire des numéros personnels qui permettront au peuple de pouvoir communiquer avec moi, vous voyez. Et j'ai donné ces numéros officiellement et je vais encore leur redonner. J'ai donné le numéro Orange qui sert aussi de transfert Orange Money. Tous ceux qui veulent faire des transferts Orange Money en mon nom, ça veut dire que Ekane Ferdinand, prophète Ekane Ferdinand, vous le ferez au 692 40 71 86. 692 40 71 86. Maintenant, pour MTN, j'ai promis, hein, MTN, Momo, c'est le numéro 672 13 03 23. 672 13 03 23. Voyez, vous avez ces deux numéros. Et ceux qui veulent faire des transferts Momo, vous les faites au 672 13 03 23. Ceux qui veulent faire Orange Money, vous le faites au 692 40 71 86. Le numéro 692 40 71 86, c'est aussi le numéro WhatsApp par lequel vous pourrez me certifier votre transfert, vous voyez, et envoyer des sujets de prière. Mais malgré que j'ai annoncé cela, et j'ai annoncé hier, j'ai averti qu'il y a des arnaqueurs sur Facebook, sur Messenger, qui communiquent avec de multiples personnes en mon nom ou au nom de mon épouse et qui arnaquent beaucoup de personnes. Je l'ai dit hier, j'ai averti tout le monde. Mais cependant, il y a des personnes parmi vous qui m'ont écrit sur WhatsApp pour dire que oui, vraiment, papa, j'ai causé avec vous hier. Vraiment, vous m'avez donné un nom, j'ai envoyé l'argent. Sachez que j'ai envoyé déjà les 150 euros pour le ministère. Vous avez envoyé ça à qui? Oh, j'ai envoyé ça à Guy Parfait. J'ai envoyé ça à Hubert. Nous ne connaissons pas ces noms. Je vous ai donné mon nom. Ça veut dire qu'avec, voici aujourd'hui, deux numéros à votre disposition. Hormis mon nom, vous pouvez envoyer vos contributions par le nom de Maman Mireille Rose Mousseni Otam. Mireille Rose Mousseni Otam. Ou bien par le nom de Eugénie, Maman Eugénie Emongue Sopo, épouse Moukoko Poli. Maman Eugénie Emongue Sopo, épouse Moukoko Poli. Voilà les noms officiels par lesquels vous pouvez envoyer votre argent, bien faire les oranges monnaies, être sûr que ça arrivera à bon port. Mais après cela, quand on vous donne des noms bizarres là qui ne sont pas vous-même, vous m'écoutez, vous êtes dans ma page officielle. Je donne mon numéro WhatsApp, mais vous laissez mon numéro WhatsApp pour aller causer sur Facebook avec quelqu'un, hein, pour aller causer sur Messenger avec quelqu'un, mais entre nous. Si quelqu'un vous donne déjà un numéro WhatsApp pour causer avec lui, je pense que WhatsApp c'est personnel, c'est sécurisé. Comment vous allez vous retrouver encore à envoyer l'argent à quelqu'un qui parle avec vous sur Messenger? J'ai déjà dit ça fatigué. Je ne demande pas l'argent aux gens sur Messenger. Je n'appelle, je n'envoie pas des demandes d'amitié aux gens. Mon épouse ne fait pas cela. Et on ne cause pas avec les gens, on cause avec toi. On dit, ok, envoie l'argent de l'huile, envoie l'argent de ceci, nous ne faisons pas cela. J'ai déjà dit cela fatigué. Ça, c'est le miracle qui accompagne le faux compte. Donc, vous êtes dans la page officielle. Vous m'avez suivi officiellement. Je parle ici, hier, par la parole de l'Éternel. Dieu m'a dit, les 100 premières personnes qui vont souscrire pour les carreaux dans sa maison, il va leur accorder le miracle de la veuve que Élisée avait délivré. Et puis, vous laissez ça. Je donne mon numéro WhatsApp pour cela. Et vous laissez, et vous partez encore sur Messenger. Vous avez mon numéro WhatsApp. Au lieu de communiquer directement avec moi. Donc, vraiment, vous ne devriez vous en prendre qu'à vous-même. C'est un grand manque d'intelligence. Et je voudrais dire que l'opération, les 100 premières personnes, est encore ouverte. Cette opération est encore disponible aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas encore atteint le quota de 100 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu souscris, le mètre carré, c'est 20 000 francs. Tu souscris 10 mètres carrés, 1000 mètres carrés, etc. Tu m'écris sur mon WhatsApp que je viens de donner encore. J'ai rappelé ça tout à l'heure en début d'émission. Et tu m'écris, papa, j'ai envoyé comme ça. Si vous envoyez mon nom, ça va apparaître dans mon téléphone. Je verrai. Hein, je verrai que ce soit Momo ou bien que ce soit Orange Money. On pourra voir cela. Donc, et c'est l'occasion pour vous de pouvoir discuter avec moi. Vous voyez, voici le numéro. Je mets comme ça, je ne sais pas si vous lisez bien. Voilà les numéros par lesquels il faut envoyer. Ça, ce sont mes numéros personnels de transfert Orange Money et MTN Money. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui ont obéi au Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, une grande délivrance est entrée dans votre vie et dans votre maison. Dans chaque domaine de votre vie, vous expérimenterez la gloire
qui est dans le nom de Jésus-Christ et la puissance qu'il y a dans l'obéissance aux injonctions prophétiques. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain Jésus. Nous continuons avec le lavement de la face. Et nous avons dit que c'est pour nous séparer du Dilaber, c'est-à-dire de travailler comme un esclave. Tu sens que dans ta vie, les choses ne vont pas. Et tout au long de ce programme, Dieu est en train de nous enseigner les principes pour que la terre ne soit plus maudite dans nos vies. Les principes spirituels, parce qu'il y a des lois. La déclaration d'un homme de Dieu ne suffit pas pour vous délivrer. À votre niveau, vous avez un lourd travail à faire. Vous avez un lourd travail à faire. Il y a une grande responsabilité. Vous voyez, c'est un long processus. Il y a une discipline qu'il faut respecter pour briser les malédictions de sa terre. Et nous avons parlé du pot, on a parlé de l'argile, de l'état argile, on a parlé de l'état du pot. Et je suis en train de montrer ce mystère-là par la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour vous amener à la maturité spirituelle et pour pouvoir écraser Satan comme s'il n'existait même pas. Donc pour ceux qui viennent de prendre notre émission, tu veux faire un transfert Momo, tu fais au 672 13 03 23. 672 13 03 23. Tu veux faire Orange Money, tu peux le faire au 692 40 71 86. 692 40 71 86. Maintenant, pour ceux qui sont à l'étranger, vous ajoutez l'indicatif du Cameroun, le plus 237. Si vous faites les transferts en mon nom, en mes numéros, et que ça ne fonctionne pas, c'est là que vous allez vous tourner. Pour ceux qui connaissent Maman Mireille, Rose, Mousseni, Otam, qui ont déjà discuté avec elle, et ceux qui connaissent Maman Eugénie, Emongue, Sopo, épouse Mokoko Poli, et qui ont déjà eu envoyé l'argent par elle, alors ceux-là peuvent envoyer par nos deux mamans. Et ce sera bien. Pour ceux qui n'ont jamais envoyé, je pense que c'est mieux d'attendre. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vous donnerai les instructions sur comment il faut faire. Il faudra peut-être attendre. Il y en a qui ont dit que, ok, Orange a dit que, on a dit que le quota est atteint. Vraiment, pour vous dire vrai, je ne connais pas comment ça se passe. On est encore en train de me former et je n'ai pas le temps. Même mes formatrices, là, n'ont pas le temps de me former. Donc mais j'essaie de jongler entre deux minutes comme ça pour essayer d'avoir le temps pour ces choses-là. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt? Et ce mois, nous avons un grand culte, le culte des plaintes à l'Éternel. Oh, c'est la deuxième édition depuis que nous sommes à la bière. Écoutez-moi, frère. Regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu dit à David, il dit à David, juste parce que tu as eu l'intention de me bâtir une maison. Moi, l'Éternel, je te bâtirai une maison stable en Israël. Et aujourd'hui, le nom de David est l'un des noms les plus célèbres en Israël. C'est la promesse de Dieu. Parce qu'il a eu l'intention de bâtir la maison de Dieu. Dieu a dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées? Tandis que cette maison sur laquelle mon nom est invoqué est détruite. Voyez, donc un vrai croyant ne peut pas accepter habiter une belle maison tandis que la maison de son Dieu est délabrée, tandis qu'elle est détruite, tandis qu'elle est en guenille. Donc, c'est une lourde responsabilité. Dieu aussi veut que sa maison soit belle. Dieu aussi veut que sa maison soit jolie. C'est pour ça que moi, je suis un chrétien consciencieux. Je ne suis pas un religieux, je suis un croyant pratiquant. Je suis un croyant pratiquant. Donc, lorsque tu as l'opportunité de bâtir la maison de Dieu, ton identité, c'est quoi? C'est le moment de révéler ton identité. C'est-à-dire en soutenant l'œuvre de Dieu, en soutenant la maison de l'Éternel. Parce que c'est notre fierté. Vous voyez, la bire aujourd'hui, c'est la fierté, pas seulement de Réma, mais du corps de Christ au Cameroun. C'est ça la vérité. Du corps de Christ hors du Cameroun. Du corps de Christ universel. Pourquoi? Parce que nous avons prié et demandé à Dieu la grâce de nous accorder la bénédiction de pouvoir réaliser des œuvres grandiloquentes. Mais on n'a même pas encore fini. C'est l'intérieur qu'on est en train de finir. À l'extérieur, on a un grand travail. J'ai dit que ce camp sera le plus beau camp du village des bonnes maisons. Et je ne m'amuse pas. Mais si c'est combien de sommes nous allons mettre dedans. Donc maintenant, lorsque Dieu te donne la possibilité de mettre ta main pour briser la malédiction financière dans ta vie, frère, soeur, tu devrais courir. Tu devrais le faire avec empressement, comme la Bible le dit. Avec empressement. Tu devrais dire, Seigneur, je ne peux pas laisser cette occasion. Ta maison, Seigneur, c'est la maison de mon Dieu. Et je le ferai. David a eu seulement l'intention. Dieu lui a bâti une maison stable en Israël, une réputation stable, une renommée qui durera éternellement. Donc c'est l'occasion pour toi aussi de t'identifier à Dieu, de venir au secours de la maison de l'Éternel en envoyant ta contribution. Dieu m'a dit les 100 premières personnes.
Ça ne veut pas dire que ceux qui vont envoyer après ne seront pas bénis. Non, vous serez toujours bénis. Mais les 100 premières personnes, ceux qui réussiront à être dans le top 100, eux, je sais que Dieu fera quelque chose de particulier dans leur vie. Je crois en Dieu. Et donc, j'ai dit que le quota des 100 n'est pas encore atteint. Donc, ceux qui ont Momo envoyé, ceux qui ont Orange Money envoyé tout simplement. Et j'ai dit, j'ai communiqué avec plusieurs. J'ai répondu à plusieurs d'entre vous. Ceux qui n'ont pas reçu ma réponse, je pense qu'on aura l'occasion. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aussi plaider avec vous, s'il vous plaît. Lorsque vous m'envoyez des messages, ne m'envoyez pas des messages kilométriques. Je n'ai pas assez de temps. Mon temps est réduit et mes responsabilités sont grandes dans ce peu de temps et je dois tout gérer. Donc, essayez de résumer l'essentiel. Écrivez-moi l'essentiel, ce qui me permettra juste de comprendre votre problème. Donc, quand un message est déjà trop long, je zappe. Vraiment, c'est décourageant, ça me décourage. La même chose avec les audios. Tu veux me faire un audio, il n'y a pas de problème. Mais sois bref, parce que je n'ai pas assez de temps. Et je veux dire à ceux qui écrivent, aux prophètes, vraiment répondez-moi. Alors, vous ne me répondez pas comment je vous écris depuis. Non, je n'aime pas l'égocentrisme. Vous n'êtes pas la seule personne, la seule brebis. Si je vous ai répondu déjà une fois, bénissez le Seigneur, je dois aussi aller répondre à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas vous donner 10 réponses, tandis qu'il y a des personnes à qui je n'ai pas encore donné une seule réponse. C'est être égoïste. Donc, il faut comprendre que quand vous posez votre problème, il y a des dizaines de milliers de personnes qui m'écrivent sur mon WhatsApp ou bien sur Messenger. Donc, je préfère que vous m'écriviez sur WhatsApp. Vous comprenez? Sur Messenger, il y a des possibilités que vous tombiez entre les mains des arnaqueurs. Donc, écrivez sur mon WhatsApp. Et si vous doutez, demandez un audio. Je vous donnerai la garantie. Ça, ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Que Dieu bénisse. Au nom de Jésus. Mais si vous causez avec quelqu'un qui se dit être prophète Ferdinand Ikane ou Momi Shalom, vous lui demandez une garantie et il vous envoie un audio qui est ma voix, mais c'est une prédication ou bien c'est une adoration où ça parle des choses qui n'ont rien à voir avec la conversation d'actualité. Ça veut dire que c'est un arnaqueur qui a pris un enregistrement de moi pour vous répondre. Ou bien vous demandez un appel vidéo et le prophète Ikane que vous avez en face vous raconte des âneries, raconte des choses que vous ne comprenez pas, qui n'ont rien à voir avec les réalités conversationnelles de l'heure. Ça veut dire que ce n'est pas moi. On a pris une image et puis on vous l'a envoyé pour vous tromper disant que c'est le direct. Donc, s'il vous plaît, soyez intelligent. Je suis fatigué de vous redire les mêmes choses tous les jours. Donc, vous avez mes WhatsApp aujourd'hui. Vous pouvez communiquer avec moi. Je pense que ça va permettre de préserver, de sécuriser plusieurs d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. La main de Dieu est dans ma vie. Prépare ton nom. Je vous ai dit la vérité. Dans la Bible, vous remarquerez, tous ceux qui sont allés vers les prophètes pour leur poser des problèmes, les prophètes leur ont répondu par des injonctions prophétiques. Aujourd'hui, nous allons voir un mystère. Je vais partager avec vous un grand mystère. Tous ceux qui vont laver leur face, vous lavez la malédiction de votre vie. Vous lavez la malédiction du dur labeur. Beaucoup de personnes travaillent, mais ne jugent pas du fruit de leur travail. Mais la Bible dit dans Ésaïe 3, verset 10, « Dites que le juste prospérera et qui jouira du fruit de son travail. » Je pense que c'est une parole très importante. « Dites que le juste prospérera et qui jouira du fruit de son travail. » J'ai dit à l'église, « Pensez-vous qu'il est normal qu'un enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu jeûne et prie pour que Dieu le bénisse, ça n'a pas de sens. Pensez-vous qu'il est normal qu'un enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu puisse prier pour que Dieu le préserve la nuit lorsqu'il dort, des couches de nuit, des poissons de nuit, des morts qui apparaissent dans la nuit, des attaques de sorcellerie? J'ai dit, ça n'a pas de sens. Non. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, disent les Saintes Écritures. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand tu crains l'Éternel, l'ange de Dieu est avec toi d'office. Tu n'as pas besoin de prier. Non, l'ange de Dieu est avec toi. Peut-être tu peux faire une prière, mais c'est une formalité. Mais la bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est subie d'aucun chagrin. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, c'est ton droit d'être béni. Dieu bénit ceux qui obéissent à sa parole. Dieu bénit ceux qui marchent selon sa volonté. Dieu bénit ceux qui sont soumis à son esprit. Dieu bénit ceux qui écoutent sa voix. Alors, je ne peux pas prier, Seigneur, bénis-moi. Oh Dieu, je t'en prie, Seigneur, bénis-moi. Non. Lorsque je suis dans mon droit, lorsque j'applique mon cœur comme Esdras ou bien comme Néhémie, à mettre en pratique la parole de Dieu en la sondant jour après jour. La Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Deux points, tout ce qu'il fait lui réussit. Deux points, tout ce qu'il fait lui réussit. Somme chapitre 1. Donc, la Bible explique que celui qui s'applique à craindre le nom de Dieu, celui qui s'applique
à aimer le Seigneur, celui qui s'applique à mettre en pratique la parole de Dieu en fuyant l'iniquité, en fuyant le péché, en fuyant les souillures corporelles et spirituelles, en fuyant les MST, entendez maladies spirituellement transmissibles. Celui qui respecte son hygiène spirituelle, qui mène une hygiène de vie propre devant Jésus-Christ, celui-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison. C'est-à-dire que cet arbre ne manque point de fruits, et dont le feuillage ne se flétrit point. Il ne connaît pas de sécheresse dans sa vie. Donc, le grand défi pour un croyant, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est conformer sa vie à celle de Christ. C'est là, en fait, le vrai défi. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui veulent la bénédiction de Dieu, mais ne sont pas prêts à conformer leur vie à ce que la Bible leur demande. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont même pas le temps de lire leur Bible. Mais si tu ne lis pas ta Bible, où auras-tu la force? Où auras-tu la connaissance? Jésus-Christ a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est ta force. La parole de Dieu est ta puissance. La parole de Dieu est le secret de la victoire sur les œuvres des ténèbres. La parole de Dieu est ta lampe. David a dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. Donc la parole de Dieu est censée t'éclairer. Elle est censée faire en sorte que tu retrouves ta saveur. Jésus-Christ a dit, Umeis este, to halas tes ges. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et d'ici, le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Donc on peut dire quoi? J'ai la responsabilité de saler la terre, de donner à la terre le goût, de donner à la terre un sens, de donner à la terre une orientation. Un croyant doit être une référence dans sa génération, dans sa manière de parler, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, dans sa manière de réagir, dans sa manière de s'habiller, dans ses fréquentations, dans ses relations, dans tout domaine de sa vie. Mais est-ce que tu es une référence dans ta génération? Parce que le problème, c'est quoi? C'est d'être juste envers soi-même d'abord. Avant de revendiquer, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, comment tu m'abandonnes? Regarde d'abord si toi-même tu appliques ton cœur à mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu ne t'appliques pas à mettre en pratique la parole de Dieu, tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne conformes pas ta vie à ses principes. Comment Dieu va-t-il te bénir? Écoutez, un jour j'ai fait une vision. Et ma vie est bâtie sur ces révélations que le Seigneur Jésus-Christ m'a données. J'ai fait une vision. Je traversais une période un peu compliquée dans ma vie. J'étais encore un jeune converti dans la foi. C'était une période de découragement, une période de relâchement pour moi. Une période où j'avais presque abandonné les voies de l'Éternel, mon Seigneur. Mon cœur n'était plus tout entier tourné vers l'Éternel, mon Dieu. Mais c'est aussi une période de grande menace dans ma vie. J'avais les couches de nuit, j'avais les repas de nuit, les morts m'apparaissaient tous les jours dans les rêves. Dans tous les cas, quand je fermais les yeux, c'était des nuits cauchemardesques et chevaleresques. Donc j'étais tourmenté, je n'avais pas de paix. Alors j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu un poisson. Et le poisson était dans une nappe d'eau, dans une mare d'eau. Vous voyez un peu en route là, il y a les mares d'eau. Le poisson était dans cette mare d'eau là. Et il y avait quelqu'un qui était comme une ombre noire. Un homme en qui on lisait la méchanceté, qui voulait ce poisson. Et donc il tournait autour de la mare d'eau. Et il a essayé d'arrêter le poisson plusieurs fois, mais le poisson lui glissait de la main. Et le poisson retournait dans l'eau, dans la petite mare d'eau. Malgré la petitesse de la mare d'eau, cet homme n'a pas pu attraper ce poisson. Et il avait un désir profond de tuer ce poisson, de faire du mal à ce poisson. Mais tant que ce poisson était dans l'eau, il ne parvenait pas à attraper le poisson, parce que dès qu'il arrêtait, le poisson glissait de sa main et retombait dans l'eau. Donc, mais le poisson avait une mauvaise habitude. Ce poisson, de temps en temps, sortait de l'eau pour essayer de serpenter sur la terre ferme et retourner dans l'eau. Et puis cet être-là, qui en voulait à la vie de ce poisson, a remarqué cette mauvaise habitude. Et puis il a dit, « Ok, comme je n'arrive pas à attraper ce poisson dans cette nappe d'eau, je vais attendre lorsqu'il va sortir. » Et puis il est resté patient et il attendait. Et il attendait. Et le poisson était dans la nappe d'eau. Et il attendait. Et dans le rêve, je disais, ne sors pas. Ne sors pas, c'est dangereux pour toi si tu sors. Et finalement, un certain temps donné, le poisson est sorti de la nappe d'eau pour serpenter encore sur la terre. Et il a essayé d'attraper le poisson. Il n'a pas pu. Le poisson glissa entre ses mains en se battant pour retourner dans l'eau. Et il s'est mis à piétiner le poisson. Et le poisson est retourné dans l'eau, penché d'un côté, nageant sur le côté, parce qu'il avait été grièvement blessé. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ que, Seigneur, je n'ai pas compris le rêve. Après cela, je me rendors. J'ai fait le même rêve 6 fois. Parce que 6 fois, je me suis réveillé pour dire à Dieu que je ne comprends pas. Quand je me rendors, je vois de petits êtres. Des petits êtres comme des nouveau-nés, mais avec de grosses têtes, sans cheveux. Avec des ailes de libellule.
et qui me regardait en ricanant, tout en tournoyant, virevoltant autour de moi comme une feuille morte. Et en ricanant, en me disant, hi, 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 nous te voyons, hi, 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 nous te voyons, hi, 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 tu es visible. Ah, 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 lorsque tu marches avec Dieu, tu es invisible. Mais cette fois-ci-là, ah, 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 tu es visible. Et je me suis réveillé. Et puis j'ai dit au Seigneur, je n'ai pas compris. Je me suis encore endormi. Et cette fois-là, septième fois, le Seigneur m'est apparu en vision. Il m'a dit, Ferdinand, tous ces rêves signifient que lorsque tu es avec moi, tu es protégé. Lorsque tu es avec moi, tu es invulnérable. Lorsque tu es avec moi, tu es invisible par tes ennemis. Mais lorsque tu quittes ma présence comme ce poisson, et ce poisson a quitté la nappe d'eau, tu deviens visible et tes ennemis peuvent te voir. Enfant de Dieu, écoutez, ce qui peut te sauver, c'est la sanctification. Qu'on ne vous trompe pas. Beaucoup viennent à l'église, mais ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Pourquoi? Parce que tu te retrouveras en train d'être coincé. Coincé par ta vie. Coincé par les choix que tu fais dans ta vie. Lorsque nous parlons de briser les malédictions de la terre, ça ne veut pas dire que, ok, je prononce, je proclame, toi tu vis dans la prostitution, et puis ma proclamation va te délivrer. Non, ma proclamation est une grande force. C'est un très grand apport dans ta vie. Mais il y a un travail. Jésus-Christ a dit ceci, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. La robe, c'est ta vie. Tu dois laver ta robe. Tu dois apprendre le métier de blanchisseur. Tu dois blanchir ta vie. Tu dois laver ta robe. Les taches qui sont sur ta robe, rassure-toi d'enlever ces taches. Dieu t'a donné les yeux et une conscience pour te rendre compte des taches de ta vie. Ici, c'est une faiblesse. Ça, c'est une faiblesse pour moi. Tu peux être un enfant de Dieu. Nous tous, on a des faiblesses. Mais le problème, c'est le rapport que tu développes avec tes faiblesses. C'est ça qui détermine si la terre de ta vie sera maudite ou si elle sera bénie. À partir du moment où tu connais déjà que voici ma faiblesse, fuis cette faiblesse. Ne bâtis pas la fondation de ta foi au bord du ravin. Si tu sais que les femmes, c'est un problème pour ta vie, mon ami, méfie-toi. Fuis le sexe opposé. Moi, par exemple, regardez, lorsqu'on parle de fondation familiale, mon père, c'était un don Juan. C'était un grand don Juan. Mon père, c'était un bel homme. Je vous dis la vérité, c'était un bel homme. C'était un gentleman. C'est un homme. Un homme, ça dit que les femmes mouraient derrière lui. Un jour, ses copines sont arrivées à la maison. Il y en avait au moins 10. Je ne mens pas, hein? J'ai dit la vérité. Au moins 10 d'entre elles. On était dans les années 94. 94, je crois. Au moins 10 d'entre elles. Elles sont arrivées. Et quand elles arrivaient, j'étais à la maison seul. Il était célibataire. C'est moi qui les accueillais, ok? Quand tu arrives, j'ai dit, ok, bonne arrivée, assois-toi, je te fais asseoir. Et puis la deuxième vient, hein? Bonne arrivée, assois-toi, je fais asseoir. La troisième arrivée, bonne arrivée, assois-toi, je fais asseoir. Il y a eu 10 dans le salon. Et je suis allé derrière le rideau de ma chambre. Quand j'ai entendu sa moto arriver, j'ai dit que je vais voir comment cet homme va gérer ses 10 copines. J'ai fait exprès de les aligner dans le salon. Quand il est entré, il a trouvé les 10 femmes, les 10 filles assises. Et il leur a dit bonjour et bonjour général. Il est entré dans sa chambre. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est ressorti. Il a dit bonne journée. Il a pris sa moto. Il est parti. J'ai dit dans mon cœur, chef bandit. Voyez. Donc, mon père, c'était un don Juan. Et à partir de ce moment, je sais que je suis son fils. Automatiquement, cet héritage étant mauvais, représente un danger pour moi. Et quand j'ai commencé à grandir, les femmes m'ont beaucoup aimé. Même à l'école. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, je connais aussi encore cette expérience. Ah, je vais compter le nombre de filles qui ont dit, oh non, vraiment, vous m'intéressez, etc., etc. De ce, c'est un hôtel. À partir de ce moment, je comprends que le sexe opposé pose problème à ma vie. Le sexe opposé est un réel problème. Si je ne m'amuse pas, la fondation maléfique de mon père pourra m'atteindre. À partir de ce moment, je vais mettre une barrière. Je prends des mesures. Je multiplie des mesures. Parce que ce domaine, il n'y a pas de prophète dedans. Il n'y a pas d'apôtre dedans. Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. La Bible dit ceci. Ne réveille pas l'amour avant sa saison. Ne réveille pas l'amour pendant qu'il s'endort. C'est dangereux. Et il dit quelque chose encore. Il dit, l'amour est fort comme la mort. Et ses fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Donc, la Bible compare la puissance et l'impétuosité de l'amour à la mort. La seule chose qui peut être comparée à l'amour, dont la force peut être comparée à l'amour, c'est la mort. À partir de ce moment, ça montre tout simplement que le plan sentimental, on ne joue pas avec. C'est ça que l'apôtre Paul donna un conseil à Timothée, lui dit, fuis les passions de la jeunesse. Et il dit, fuis l'impudicité. Il dit, fuis l'impudicité. Or, la Bible dit plutôt que dans le combat spirituel, nous devions résister au diable.
Mais l'impudicité, l'immoralité sexuelle, et là-bas, son commandement est différent. Là-bas, tu ne résistes pas, fuis. On dit de fuir, c'est aussi un signe d'héroïsme. C'est un signe de stoïcisme. C'est un signe de grandeur. Fuis. Donc, quand tu sais que ta faiblesse est telle chose, fuis. N'essaye pas de te frotter à cela. Parce que c'est le point névralgique de ta vie. Le diable passera par là pour essayer de toucher ta vie. Donc, il est donc important. Jésus dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Chaque jour, tu dois laver ta robe. Ta faiblesse, ça peut être la boisson. Ça peut être la boisson. Les boissons alcoolisées. Et j'ai dit une chose. La Bible dit que le sacrificateur ne boira pas de vin car c'est de sa bouche que l'on demande la loi. Donc, quelqu'un qui est consacré à Dieu, tu ne peux pas être ivrogne en même temps consacré à Dieu. Non. L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivre du Saint-Esprit. Il y a une boisson que nous, on boit. C'est le Saint-Esprit. Donc, il faut être plein dans l'esprit jusqu'à atteindre l'ivresse. Ce que j'appelle les ivresses de l'esprit. Et les ivresses de l'esprit arrivent dans les profondeurs et les débordements du Saint-Esprit. Cherchez l'amitié du Saint-Esprit. Cherchez les profondeurs du Saint-Esprit. Votre vie ne sera plus jamais la même. Lorsque la vie de Dieu est abondante en vous, vous devenez fort. Lorsque la vie de Christ est abondante en vous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc quand Jésus est en toi, l'espérance qui est devant toi, c'est la gloire et non pas la misère. Non pas le célibat ou bien la pauvreté, parce que tu as triomphé de tout. Parce que Paul dira, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Donc c'est par la foi que nous triomphons du monde. C'est pour cela que la vie de Dieu devient capitale pour détruire les malédictions de la terre. Lorsque j'ai commencé à grandir, dans la maison de ma mère, j'ai parlé de la maison de mon père, je parle maintenant de la maison de ma mère. Dans la maison de ma mère, dans la lignée généalogique de ma mère, il y a ce qu'on appelle la malédiction de la mort précoce. La mort précoce. C'est-à-dire que les parents enterrent leurs enfants. Vous voyez, c'est une grande malédiction. Normalement, c'est les enfants qui enterrent les parents et non pas les parents qui enterrent leurs enfants. Donc, ma mère a eu 5 enfants. Elle a enterré 3. Nous sommes restés 2. Moi et ma cadette. Et quelque chose s'est passé. Lorsque nous avons remarqué, l'expérience était que aucun de ses enfants n'a traversé le Rubicon de 30 ans. Et ça fait que quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur personnel, l'une des préoccupations majeures pour moi, c'était de traverser 30 ans. Et connaissant le Seigneur, m'étant donné complètement à mon Dieu, m'étant sacrifié, j'ai dit à quelqu'un que je peux avoir des faiblesses. Ça, c'est clair, hein. Tu peux me reprocher sur ma façon de te parler ou bien de me comporter ou bien sur quelque chose dans mon caractère, c'est normal, je suis un homme, mais tu ne peux pas me reprocher sur que je n'aime pas Dieu. Non, non, sur mon amour de Dieu, pour Dieu. Non, non, non. Là, c'est pas vrai. J'aime Dieu de tout mon cœur. J'ai une passion folle de servir le Seigneur. Je veux aller le plus loin possible avec Dieu et mon épouse. Et moi, nous avons cette résolution ferme de plaire au Seigneur, de le servir jusqu'à la dernière énergie de notre vie. Jusqu'à la mort, nous servirons le Seigneur. Après la mort, nous continuerions à servir le Seigneur dans la nouvelle Jérusalem. Donc, j'ai dit à ma mère, moi, Ferdinand et Canet, je briserai la malédiction de la mort précoce dans tes entrailles. Je suis sorti de tes entrailles au même titre que mes frères, mes sœurs qui sont morts. Aujourd'hui, je n'ai pas de frères. Vous comprenez? Mes frères sont morts avant même ma naissance. J'ai dit à ma mère, moi, ce qui leur est arrivé ne m'arrivera pas. Cette malédiction de la maison de ma mère, je la briserai. Et je vous dis vrai, j'ai pris cette affaire au sérieux. Premièrement, je me suis résolu à me sanctifier et à me consacrer à l'Éternel, à ne point me conformer au siècle présent, comme Paul l'a dit dans Romains 12, verset 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Donc, je me suis mis en conformité avec Dieu, tout en renonçant à la vie et au plaisir de la chair, au plaisir du monde. Et je me suis appliqué à faire la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité, la sanctification brise la malédiction. La sainteté brise la malédiction, mais la Bible dit que l'iniquité ferme la bouche, le péché ferme la bouche. Et je me suis appliqué à me sanctifier devant l'Éternel. Il y avait des jeunes gens de mon âge, des enfants, des hommes de Dieu, des pasteurs, qui menaient une mauvaise vie, une vie de volupté, une vie de débauche, une vie d'impudicité, d'immoralité sexuelle. Mais moi, j'avais craint le nom de l'Éternel, mon Dieu, et je m'étais conservé pur devant le Seigneur. Je craignais le nom de l'Éternel. Alors, un jour, je causais avec des enfants de pasteurs à la vraie église, des enfants, des grands hommes de Dieu là-bas. Et il me disait, le collège où j'enseignais, il disait que, frère, tu vois tel fils, c'est moi qui l'ai dévergé. Tu vois l'autre là, c'est moi qui l'ai dévergé. L'autre dit, ça c'est ma copine. Et à l'époque, il y a une belle fille, hein, une très jolie fille, qui était tombée amoureuse de moi pendant que j'étais professeur. Et c'était dans les années, je pense, 2001.
Et j'ai dit à la fille que vraiment, je suis Nazir, je sers le Seigneur, je ne peux pas sortir avec toi. Je ne peux pas coucher avec toi. Et puis, les fils des pasteurs m'ont dit que mon ami, tu as vu le produit, tu as vu la catégorie, est-ce que toi-même tu vois le genre de fille? Mon ami, le genre, si là, c'est une seule fois dans la vie qu'on a ça. Donc, bondis sur l'occasion et puis profites-en. Et ça m'a étonné que des enfants de pasteurs puissent dire des choses comme celle-là. Donc, ce n'est pas être enfant de pasteur qui veut dire que la vie de Dieu est en toi. Non, nous ne parlons pas de l'hypocrisie, du christianisme hypocrite. Mais nous parlons d'une rencontre personnelle vraie, limpide et claire, indubitable, inamovible, entre toi et le Saint-Esprit. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit changer ta vie. De laisser la vie de Christ engloutir ton existence. D'abandonner ton cœur à Dieu. De laisser Dieu te diriger. David a dit, Yahweh Rohilo Esar, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu manques de tout parce que l'Éternel n'est pas ton berger. Donc, quand je me suis résolu à être consacré à mon Dieu, je me suis aussi résolu à passer beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu pour avoir assez de connaissances, pour vaincre Satan. Parce que la guerre contre le monde des ténèbres est une guerre de connaissances. Voilà pourquoi Paul a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Donc, c'est la connaissance de la vérité. Connaître la pensée de Dieu pour moi. Connaître les desseins de Dieu pour ma vie. Connaître les plans de Dieu pour ma vie. Connaître les préconisations de Dieu pour ma vie. Et je connais moi les projets que j'ai pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nous croyons en Dieu. Et je me suis appliqué. Et la fidélité de l'Éternel a été mon bouclier. Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé et j'ai traversé 30 ans, j'ai traversé 35 ans, j'ai traversé 40 ans, j'ai traversé 41 ans, laissez-moi la porte là ouverte, pardon. J'ai traversé 42 ans jusqu'à 43 ans, bientôt 44 ans, par la grâce de Dieu. Pas parce que je suis fort, mais par la grâce de Dieu. Ouvrez-moi toutes les portes là, pardon. Par la grâce de Dieu, mon sauveur. Donc ça veut dire quoi? Être délivré des malédictions, ce n'est pas un jeu. Ouvrez-moi les portes, s'il vous plaît, ouvrez les portes. Être délivré de malédictions est une chose possible. Briser les malédictions de la maison de ton père et de ta mère, c'est possible. Et je vais vous montrer quelque chose. Lorsque tu es délivré, lorsque tu renverses la forteresse de ta famille, ce n'est pas ta délivrance à toi seul, mais tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, ta famille, tout le monde sera sauvé. Puisque tu as ouvert la porte, tout le monde passe. Et tu seras le pionnier de cette œuvre de délivrance dans ta famille. Quand j'ai vaincu ces portes-là, lorsque j'ai renversé l'homme fort de la mort précoce dans ma maison, dans ma famille, ma petite soeur a traversé aussi 30 ans. Et j'ai béni Dieu avec. Aujourd'hui, elle a 41 ans. Nous avons traversé. Nous sommes les deux rescapés d'une malédiction qui a tué trois de nos aînés. Quelles sont les malédictions qui ont dévoré les membres de ta famille? Quelles sont les malédictions qui se nourrissent par phagocytose ou par pinocytose? De vos bénédictions, de vos grâces, de vos étoiles, de votre destinée, des prophéties de Dieu pour vous, des grandes promesses de Dieu pour votre vie. Quelles sont ces malédictions? Vous pouvez les vaincre aujourd'hui. Mais ça demande une grande discipline. Ça demande un grand engagement. Tu dois quitter ta mauvaise vie. Tu dois quitter ta mauvaise position. En fait, sois sincère envers toi-même. Sois vrai envers toi-même. Laisse Dieu te changer. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse Christ transformer ton existence. Laisse Dieu enlever dans ta vie cette mauvaise chose. Cette chose qu'il te reproche. En tant qu'enfant de Dieu, non ça va. En tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te dira toujours, ne va pas par ce chemin. En tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te dira toujours, cette relation n'est pas bonne pour toi parce que toi, tu es saint et donc tu ne dois pas te mettre sous un joug étranger avec ce qui est impur. L'Esprit de Dieu te parlera. Si l'Esprit de Dieu ne te parle pas, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a la ceinture de Dieu sur ses reins. Lorsque tu veux aller vers le mal, cette ceinture est serrée pour te rappeler à l'ordre et te rappeler que tu es de la race pure, de la race sainte. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race pure, une nation sainte. Donc tu es une nation sainte. Et la Bible dit, vous serez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Donc ton Dieu est un Dieu trois fois saint. Et il est important que tu sois saint. Et laissez-moi vous montrer quelque chose, chers frères et sœurs. Le diable ne peut pas toucher quelqu'un qui vit dans la sainteté. Le diable ne touche pas quelqu'un qui vit dans la sainteté. Il ne peut pas. Sauf exception. Lorsque Dieu veut t'éprouver et que Dieu envoie le diable pour t'éprouver, là c'est avec la permission de Dieu et sous le haut patronage de Dieu.
C'est comme ça. Mais dire que le diable nuise à ta vie, lorsque tu mènes une vie de sainteté, non, non, ce n'est pas possible. Jésus-Christ a dit ceci. En taute te petra, oikodomeso mouten ecclesia, kai poulaï ado, ou katiskososin aoutes. Il n'est pas menteur. Il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne remporteront jamais de victoire contre mon église. Donc Dieu ne ment pas. Ça veut dire que si tu es bâti sur le roc, si ta foi et ta vie sont bâtis sur Christ, et Christ ressuscité, Christ glorifié, les portes de l'enfer ne remporteront jamais de victoire contre ta vie. Tu seras combattu, c'est vrai. Il y aura des attaques contre toi, c'est vrai. Mais toutes ces attaques vont se solder par des échecs. Le diable ne pourra pas, c'est-à-dire jubiler une victoire sur toi. Ce n'est pas possible. Parce que la puissance de Dieu sera avec toi. Dieu sera de ton côté. La main de Dieu te préservera toujours dans tes batailles. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Le genre de vie que tu mènes influence ton présent et ton avenir. Il faut être conscient de cela. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus vivre n'importe comment. Tu ne dois plus aller n'importe où. Tu ne dois plus t'habiller n'importe comment. Tu ne dois plus parler n'importe comment. Non, il faut faire attention. Tu ne dois plus avoir n'importe qui pour ami. Tu dois être sélectif dans tes amitiés. Sélectif dans tes fréquentations. Ton comportement ne doit plus être comme celui d'un païen. Non, tu dois être différent. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, non, il dit « Hoste etis en Christo ». Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu dis que tu es né de nouveau, mais tu continues avec ta vie d'ivrognerie d'avant, en quoi es-tu né de nouveau? Si tu dis je suis né de nouveau, mais tu continues toujours avec la vie de prostitution, en quoi es-tu né de nouveau? En quoi as-tu changé? Puisque la nouvelle naissance est accompagnée d'un changement profond de caractère et de personnalité. Et ceci vient de Dieu, c'est un don de Dieu pour nous. Et c'est là que tu pourras vaincre Satan, et c'est à partir de là que la victoire, la délivrance des malédictions de la terre va commencer. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Maintenant, dans la puissance de l'injonction prophétique, nous allons laver nos faces et Dieu va briser les malédictions de la terre dans ta vie. Et pendant que Dieu le fait, toi aussi tu dois te battre pour mener une bonne vie, pour laver ta robe. Sois un chrétien sur qui le ciel peut compter. Ne sois pas une déception pour le ciel. Ne sois pas une déception pour la maison de ton Dieu. Ne sois pas une déception pour le peuple de ton Dieu. À chaque fois que tu es devant un dilemme, dois-je pécher, ne dois-je pas pécher, pense à ton Dieu. Pense au peuple de ton Dieu. Pense à la loi de ton Dieu qui est la Bible. Et pense à Jésus-Christ. Pose-toi la question. Si Jésus-Christ était devant cette situation, comment allait-il agir? La réponse que tu auras, réagis comme ça. Et la gloire de Dieu sera avec toi. La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si tu veux que Dieu soit ton ami, ton père et ton ami, crains son nom. Et craindre son nom, c'est lui donner gloire face aux situations de dilemme, d'acatalepsie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma prière, c'est que ces mots faibles peut-être soient forts dans ta vie et t'apportent un changement profond. Que tout caractère qui n'est pas de Dieu dans ta vie et sur lequel le diable s'appuie pour t'accuser devant Dieu, que ce caractère soit brisé dans le sang de Jésus, par la puissance de sa parole, comme lui-même l'a dit. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau pour briser le roc? Donc si ce caractère était dire comme le roc, que la parole de Dieu soit un marteau pour toi. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu pour dévorer ce qui est impur? Que la parole de Dieu dévore ce qui est impur dans ta vie et te sépare de toute impureté, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes, pour faire de toi un chrétien sur lequel le ciel compte. Mais surtout, un chrétien dont le nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle. À quoi bon aller à l'église si Dieu ne te connaît pas? À quoi bon aller à l'église si ton nom n'est pas écrit dans le livre de la vie éternelle? À quoi bon, frère? Donc je pense que la plus grande conquête, la première plus grande conquête d'un enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. Seigneur, inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. L'écriture du nom de chacun de nous dans le livre de la vie éternelle est relié étroitement au genre de vie qu'il mène. Saint-Esprit, brise en moi ces mauvais cœurs, ces cœurs incrédules, et donne-moi un cœur de chair. Dieu a dit, j'ôterai en eux le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils mettent en pratique mes ordonnances et mes prescriptions. Ô Seigneur, ôte en moi ce cœur qui m'amène toujours vers le mal. Ôte en moi ce cœur qui m'amène vers la haine, la jalousie, etc. Et donne-moi un cœur de chair pour que je mette en pratique ta parole. Seigneur, change ma personne, change ma personnalité, change mon cœur, change mon caractère. J'ai un mauvais caractère, j'insulte encore, Seigneur.
Je me moque encore des gens, mon Dieu. Ma bouche n'est pas encore convertie, Père. Elle calomnie encore. Elle ment encore. Seigneur, je vole encore. Je suis ton enfant, mais je vole encore. Seigneur, je suis encore adultère. Seigneur, je suis fornicateur. Seigneur, voici ma faiblesse. Change mon caractère de l'intérieur. Change ma façon de faire. Seigneur, donne-moi ton image. Fais-moi à ton image et fais-moi à ta ressemblance. Chers amis, lorsque l'image de Christ et sa ressemblance seront en toi, tu connaîtras ce qu'on appelle le goût de la victoire contre Satan. Satan sera petit. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tes montagnes se rabaissent. Plus tu vas dans les profondeurs de Dieu et tu te perds dans les profondeurs de Dieu, plus il y a des chemins tout tracés devant toi. Oh, alléluia. La Bible dit, heureux ceux qui ont leur appui en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsque tu t'appuies sur l'Éternel dans ta vie, quand tu te réveilles, il a frayé la nuit ton chemin. Et tu marches tout simplement en suivant ce chemin. Que Dieu te donne de t'appuyer sur lui et qu'il fraye tes chemins dans le nom souverain de Jésus. Selon ce qui est écrit quelque part dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous, allez vous reposer. Que Dieu te donne le repos dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen, tu envoies des cœurs, ça veut dire Amen. Et ceux qui ont suivi l'injonction prophétique d'hier, nous continuons. Envoie ton mètre carré, c'est 20 000 le mètre carré. Tu veux prendre, tu souscris 5 mètres carrés, 10 000, etc. Je bénis Dieu pour les nombreuses personnes qui sont en train de souscrire. Pendant que tu vas à cette émission, tu peux faire ton Orange Money au numéro, à notre numéro Orange Money. Pour ceux qui ne connaissent pas le numéro Orange Money, je vais encore le rappeler. Orange Money, qui est mon numéro WhatsApp, dont on peut recevoir des sujets de prière sur ce numéro-là. 692 plus 237 plus 237 692 40 71 86 plus 237 692 40 71 86 sur le numéro Orange Money. Envoie ta souscription là et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Ou bien envoie par le numéro Momo qui est le 672 13 03 23. 672 13 03 23 ou plus 237 672 13 03 23. Le nom qui apparaîtra c'est Canet Ferdinand. Donc envoie moi, c'est la contribution directement. Si c'est bloqué, vous pouvez envoyer par maman Mireille Rose, Moucheni Otam, ou bien par maman Moukoko, maman Eugénie Emongue, Polish. Non. Maman Eugénie Emongue, Sopo. Voilà, que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons passer dans la phase de la délivrance. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose de grave dans ta vie ce matin? Prends ta bouteille d'eau. Nous allons prier. Vraiment, je suis désolé pour les femmes qui ont le maquillage. Je suis désolé vraiment. Les fonds de teint, etc. Belami wa anna salata wa adura. Lo inna usemaria. Lo kremi talifa wa anna baris. Manasetati wa inna blomita udeko. Seigneur, tu as dit à la femme samaritaine. Oh, si tu savais quel est le don de Dieu. Et qui est celui qui te demande à boire. C'est toi-même qui m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Oh, il dit, celui qui boira de l'eau que je donne n'aura plus jamais soif. Seigneur, passez tôt. Nous n'aurons plus jamais soif. Par cette eau, nous n'aurons plus jamais soif. Par cette eau, la soif de nos vies sera étanchée. Au nom puissant de Jésus. Père, que ta puissance commence à agir maintenant dans le monde entier où nos enfants sont connectés. Père, que ta gloire entre dans ces récipients. Prends ta bouteille d'eau, partout où tu es. Ou ton verre d'eau, si tu es à la maison. Au nom de Jésus. Si tu conduis, garde, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Parce qu'on va boire, la puissance de Dieu sera libérée. Et les anges seront libérés dans nos maisons. Et la main de Dieu agira avec force et puissance. Il y a tellement de témoignages. Guramita lifaluza manatelika. Soma idali wa anna asma. La mianna u arbi wa inna gro. Sabramita lifa wa anna aloika wa inna asma lifado. Père, que ta puissance descende dans cette eau. Que la puissance et l'onction qui brise le joug, qui brise les malédictions de la terre, que cette onction descende. Que cette puissance descende. Seigneur, que tes anges interviennent et que ton nom soit glorifié dans le nom précieux et souverain de Jésus. Comme nous lavons nos faces, Seigneur, les malédictions d'esclavage sont brisées. Les malédictions de la terre sont brisées. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus brise les liens de ces malédictions maintenant, dans le nom de Jésus. Toute pratique mystique contre ta vie, contre tes enfants, contre ta carrière,
au nom puissant et souverain de Jésus, est brisée par cette eau. Cette malédiction est brisée par cette eau maintenant. Cette eau prend contrôle de ta vie. Elle te débarrasse de toute saleté, de toute malédiction, de toute limitation dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Tout homme fort dans ta vie tombe. Tout arbre maléfique, tout animal totémique, par le lavage de visage, tombe. Que le mystère de l'eau se révèle du haut des cieux. La puissance de sa gloire se manifeste dans le nom précieux de Jésus. Où tu es, au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit te touche. Que la main de Dieu te touche. Que de l'intérieur à l'extérieur, sa gloire descende. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus dans ta vie. Dieu te sort de la honte. Dieu te sort de la honte. Mon Dieu te sort de la honte. L'Éternel te sort de la honte. Il te sort d'une vie de confusion. Toi dont la vie n'a pas de sens. Jésus te donne un sens à ta vie. Jésus donne un sens à ta vie. Toi qui es malade, Jésus te guérit. Toi qui es malade, Jésus te guérit. Toi qui étais en prison, on t'a emprisonné dans la sorcellerie. Et tu remarques que ta vie ne donne pas. Au nom de Jésus, les portes de cette prison sont brisées. Et tu sors. Sors de ta prison. Sors de ta prison. Dans le nom puissant de Jésus. Toi dont l'étoile a été enterrée dans un cimetière par la vertu de cette eau. Et dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que ta vie sorte de ce cimetière. J'ordonne que la main de Dieu agisse et intervienne maintenant. Et la gloire de Dieu est rétablie dans ta vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dis Amen en envoyant des cœurs et des pouces bleus au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu laves ta face 3 fois. Au nom du Père. Au nom du Fils. Et au nom du Saint-Esprit. Amen. Oh, Barazana, Gorasama, la gloire de Dieu. Maintenant, l'onction de Dieu sera libérée dans ta vie. Onction de Dieu descend. Onction de Dieu descend. Onction de gloire descend. Je brise la honte. Je brise l'esclavage. Je brise la honte. Je brise l'esclavage dans ta vie. Onction de Dieu, manifeste-toi. Dieu est en train d'élever quelqu'un. La main de Dieu est en train d'élever quelqu'un. Dieu est en train d'élever quelqu'un. Je te dis la vérité. Au milieu de ta famille, Dieu est en train de te distinguer. Au milieu de ta famille, la main de Dieu est en train de te toucher. Au milieu de ta famille, Dieu est en train de t'établir comme le Joseph. Dieu est en train d'intervenir en ta faveur. La puissance de Dieu est sur toi. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, la gloire de Dieu te touche maintenant. La gloire de Jésus te touche maintenant. La gloire de Jésus te touche maintenant. Gloire de Dieu descend dans le monde entier, partout où un ou deux sont assemblés en ton nom. En ce moment, au nom de Jésus, la gloire de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. Les chaînes de ta vie sont brisées. Les chaînes de ta vie sont brisées. L'onction brise les chaînes de ta vie. Les malédictions sont brisées. Les malédictions sont changées en bénédictions. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Il y a des gens qui vont ressentir la main de Dieu les toucher directement. Tu vas sentir la gloire de Dieu. Il y a des gens que Dieu va revêtir de sa gloire. Tu vas sentir comme si on met un vêtement sur toi. La main de Dieu. Il y a une sœur en France, on a prié avant-hier, je pense. Et j'ai dit que Dieu allait apparaître la nuit aux gens. Dieu allait visiter les gens. C'est la nuit de l'Éternel. La nuit, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Et quand le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu, elle a vu un serpent dans le rêve. Elle a vu le serpent et elle a vu le serpent et le Seigneur Jésus lui est apparu dans la vision et elle a vu le Seigneur couper la tête de ce serpent. Que Dieu coupe la tête de tout serpent mystique et maléfique qui tourne autour de ta vie, autour de tes enfants, autour de ta vie sentimentale, autour de ta carrière. Toi qui es attaqué dans ta vie sentimentale, au nom de Jésus, que la tête de ce serpent soit coupée. Et la sœur dit que le matin, elle a découvert un serpent dans sa maison. Un serpent et on l'a tué. Tout animal maléfique dans ta vie sentimentale, dans tes affaires, dans ta carrière, qui bloque ta carrière. Depuis que tu travailles, tu ne connais pas de succès dans ta carrière. Depuis que tu travailles, on ne te lève pas dans ta carrière. Depuis que tu travailles, il n'y a pas de promotion dans ta carrière. Parce qu'il y a une malédiction, un autel qui parle contre ta vie. Mazata, par la puissance de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth,
en ma qualité de prophète ou est mandaté par Dieu, j'ordonne que cette malédiction quitte ta carrière. Je la brise. Autel, autel, soit renversé, soit traité comme l'autel de Bethel. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne une parole. La promotion dans ta carrière. La promotion dans ta carrière. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Quelqu'un dit amen, ça va arriver. Tu dis amen, tu seras surpris. Toute personne qui attend une affectation. Ah, ça c'est un dossier que j'aime. Tu attends une affectation. S'il te plaît, écris-moi juste le lieu, la ville, le pays où tu veux qu'on t'affecte. Écris ça en commentaire. Au nom de Jésus de Nazareth, dans un délai de 3 mois, un ange de Dieu fait en sorte qu'on t'affecte. Reçois l'affectation dans ton lieu de choix, dans le lieu de ton choix, dans le nom de Jésus. Reçois l'affectation maintenant. Je vais parler à ceux qui sont en Europe. Et tu as des membres de famille ici. Tu veux les faire monter, mais ça ne va pas. La Bible dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Cette année, la porte est ouverte. Cette porte fermée est ouverte au nom précieux et souverain de Jésus. Tes affaires, je les bénis. Oui, tes affaires, je les bénis. Que l'Éternel t'enrichisse cette année. Que cette année, tu touches les devises de la terre. Que Dieu te fasse toucher à l'argent tel que tu n'en as jamais touché. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, tu dis amen, tu reçois ta portion. Tu dis amen, je te dis la vérité. La main de Dieu est sur toi et sa gloire se révèle du haut des cieux et sa puissance est manifeste dans ta vie. Bami anazalo, zalami anagaros, balata marezano. Je vois Dieu libérer ta richesse. Je vois Dieu briser le jour de la pauvreté. Tu travailles, pas de solution. Tu travailles, pas de résultat. C'est fini. Ésaïe 3, verset 10. Dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie. La déception sentimentale est finie. Je te dis, est-ce fini? C'est fini. C'est fini. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit, sois rétabli dans ta gloire. Sois rétabli dans ta gloire. L'opération, les 100 premiers à envoyer leur Orange Money. Les 100 premières personnes, la double portion est sur elles. Et le miracle de la veuve d'hier est sur leur vie. Dieu apporte une délivrance puissante dans leur vie. Je rappelle encore le numéro Orange Money. Plus 237, pour ceux qui sont à l'étranger, 692 40 71 86. 692 40 71 86. Et c'est mon WhatsApp. Écris-moi par ce message. Ne m'appelle pas. Écris, n'appelle pas. Écris, tu peux écrire, tu peux laisser des voices. Mais si tu m'appelles, parce que je suis constamment en train de prier, en train de travailler, donc je ne veux pas te perturber. Donc, il faut écrire. Et soyez bref. Si vous écrivez très long, je n'aurai pas le temps de lire, s'il vous plaît. Il y a des dizaines de milliers de messages. Donc, écris-moi sur ce numéro. Si tu as envoyé ton transfert, écris sur ce numéro pour le confirmer. Pas par SMS, s'il vous plaît. Écris à ce numéro. Maintenant, ceux qui veulent faire le transfert, Momo, c'est le 672 13 03 23. 672 13 03 23. Donc, ce numéro, c'est pour les transferts Momo à mon nom. Comme tu le fais, les 100 premières personnes, que la main puissante de Jésus-Christ se manifeste au nom souverain de Jésus. Ne laisse pas passer cette opportunité dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais prendre quelques sujets de prière par notre numéro WhatsApp. On va prendre quelques sujets de prière. Vous pouvez appeler hein, par les deux numéros 672 13 03 23. La seule permission d'appeler à ces numéros, c'est pendant les directs. Donc, si on vous écrit sur Messenger, que vous envoyez les contributions pour les carreaux à l'église, ce n'est pas moi. Je le répète, quelqu'un vous écrit sur Messenger au nom du prophète Ferdinand Ekane. Non, vous avez mon numéro WhatsApp 692 40 71 86. Écrivez-moi ce numéro. Voilà le numéro, vous avez le prophète directement. Ou 672 13 03 23. Pour le numéro Momo, donc vous pouvez appeler immédiatement. Par ce numéro, vous avez un sujet de prière. Vous avez un témoignage à donner en direct maintenant. Tu peux m'appeler au 672 13 03 23. 672 13 03 23 ou 692 40 71 86. 692 40 71 86. Voilà. Vous pouvez appeler à ce numéro-là. Vous appelez ou bien sur WhatsApp ou bien appel direct et je veux prier avec vous immédiatement
et nous allons nous préparer pour les habitants de Yaoundé. Nous sommes à la Bible ce soir à partir de 16h. Toi qui as joué avec ce programme jusqu'ici, tu peux encore te rattraper. Le Seigneur t'accorde encore une occasion. La gloire de Dieu, frère. Dieu est en train de bénir les gens à travers ce programme. Non, je vous dis la vérité. Dieu est en train de bénir les gens. Faut pas s'amuser. Ça, c'est des opportunités. C'est le genre de programme que tu donnes le numéro à ton frère, tu donnes le numéro à ta sœur, tu partages le lien de cette émission à tout le monde autour de toi pour que tout le monde puisse être bénéficiaire de cette grâce et de cette bénédiction. C'est de ça qu'il est question, frère. Voilà. Donc, il y a les appels. Je vois des appels, mais qui n'entrent pas. Je ne sais pas s'il y a un problème avec ces numéros. Je pense que j'ai tout réglé. Je vois des appels là, mais les appels n'arrivent pas directement. Essayez d'appeler aussi par... pourtant, c'est affiché. Essayez d'appeler par WhatsApp ou bien par appel direct. Il n'y a pas de problème. C'est pour vous que nous sommes là. Je vous transmets les salutations de mon illustre épouse, Maman Shalom Ekane. Je vois des appels qui entrent, mais qui ne passent pas. Ou bien c'est le bip. Appelez directement, s'il vous plaît. Appelez directement. Oh, hallelujah. Zamaïda ou Dallas, Mansa ou Garus. Je sais ce numéro. Dama ou ça, tiens, un sujet de prière, tu peux appeler. On va prier. Je vois les gens appeler. Je ne sais pas s'il y a un problème. Dites-moi en direct, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un problème avec ce numéro? J'essaie d'appeler moi-même quelqu'un. Non, ça passe. Ça appelle. Voilà. Donc, le numéro s'appelle. Merci, Jésus. Baruki wa inna morazo, Brastei Maluki. Là, c'est WhatsApp. C'est les appels WhatsApp. Il y a des messages. Personne ne me répond, papa, depuis hier. Bonjour, papa. Que la paix de Dieu soit avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les appels, là, c'est comme si c'est le bip? OK. Si ça ne va pas, on va voir. Et moi, je vais clôturer l'émission. Et je vois des appels. Voici ce que ça affiche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les appels, le téléphone ne sonne pas? Pourquoi? Essaye de m'appeler, l'un des numéros l'affiche, pardon. Rapidement, j'ai promis hier, mais voici un appel qui passe. Allô? Bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Fouda. Depuis Fouda? Oui, papa. D'accord, quelle est votre préoccupation? C'est un témoignage ou un sujet de prière? J'ai un témoignage et j'ai un sujet de prière, papa. D'accord, allez-y, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Non, le témoignage, vous prophétisez sur ma femme. Lorsque vous étiez en train de faire le ministère des rêves. Oui. Oui, quand ma femme, elle aura du mal à en santé. Oui. Mais là, après ça, vous avez demandé si elle était enceinte. Elle a dit oui. Mais après, nous, comme elle va l'hôpital, on a dit qu'on n'était pas enceinte. On trouvait les myomes et les cystes. Oui. Dans son ventre. Mm-hmm. Après, il y avait eu la conférence des bienfaiteurs. Mm-hmm. Mm-hmm. C'était un homme qui vous avez donné la bouteille d'eau, oui. Comme d'habitude. Oui, après, quand elle a bu l'eau, nous sommes encore allés refaire l'échographie. On a dit qu'on voyait un bébé de 1 mois et demi. Waouh! Mm-hmm. Wow, donc, jusqu'à présent, elle est toujours enceinte. Elle va coûter le moitié. Waouh, gloire à Jésus, que c'est un enceinte. Donc, je rends grâce vraiment au Seigneur. Moi aussi. Mmh. Oui, et là, mon sujet de prière. Mmh. Parce que je fais dans la mécanique, je souhaiterais que Dieu me bénisse dans les affaires. J'ai dit à Dieu, s'il me bénit, je paierai le dîme selon le fonctionnement des bénédictions qu'il va m'accorder. Amen. Je souhaite que ça soit fait aussi. Amen. Voilà, chers enfants, dans le Seigneur, vous avez suivi le témoignage de notre frère, sa femme. Et je l'ai vue, elle n'était pas enceinte. Je lui ai dit qu'elle n'est pas enceinte. Elle a dit qu'elle était enceinte. Elle est allée à l'hôpital, c'est le myome qu'on a trouvé. Oh, le nom de Jésus est terrible. Seigneur, je te servirai tous les jours de ma vie, dans n'importe quel genre de condition. Après la prière, après avoir donné la bouteille d'eau, quand nous prions, frère, il y a une grande puissance dans la prière. Quand vous suivez les émissions comme celle-ci, vous ne perdez pas votre temps. Je vous dis la vérité. Dieu change votre vie. Vous amenez Dieu dans votre existence. Après avoir prié sur l'eau, et il a dit qu'il a reçu cette eau et il est parti. Il refait l'échographie, on a trouvé que la femme était enceinte 1 mois et demi. Est-ce que Jésus n'est pas puissant, frère? Toi aussi, tu as un sujet de prière comme celui-là. S'il te plaît, envoie-le nous dans le nom de Jésus. Il y a des appels qui viennent, mais ça n'entrait pas. Je ne sais pas, Tout hôtel contre les appels là, au nom de Jésus, on brise ça. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Donc voilà, appelez. Je pense qu'il y a un problème avec les appels. Dites-nous ce qui se passe quand vous appelez. Il y a un problème avec les appels parce que ça affiche.
Ça affiche appel, mais ça ne sonne pas. Ça affiche appel, personne, ça ne sonne pas, ok? Ok, d'accord. Pour ne pas perdre trop notre temps, on va vérifier ce qu'il y a. Donc, dis-nous ce qui s'est passé. On va arranger cela. Et peut-être demain, la communication sera bonne. Maintenant, écoutez, la main de Dieu est sur toi. Dans le nom de Jésus, tends ta main vers moi. Laisse la gloire de Dieu te toucher, s'il te plaît. Laisse Dieu mettre fin à tes pleurs. Laisse-lui la grâce, l'opportunité de nettoyer les larmes de tes yeux. Paie tout mal qui leur a été fait et à leurs enfants. Tout mal qui nous a été fait. Écoutez, quand nous prions ce genre de prière, il y a des gens qui disent « Non, vraiment, il ne faut pas prier comme ça. Prie pas contre les œuvres de tes ennemis. Ne renvoie pas sur eux. » Non! On va renvoyer donc ce qui? On va renvoyer ça sur les innocents. La Bible dit ceci. Il est de la justice de Dieu. Je pense que c'est 2 Timothée 1, verset 6. Il est de la justice de Dieu, c'est Paul qui dit, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, de rendre la malédiction à celui qui te maudit, de rendre la maladie là à celui qui veut te rendre malade. Au nom de Jésus, que Dieu rende l'affliction à ceux qui veulent t'affliger. Ça, je prie comme Paul. Hein. Dieu rend l'affliction à ceux qui veulent t'affliger. Dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth, mon Père et mon Jésus, préserve la vie de ton peuple. Que toute personne qui a été connectée ce matin, Seigneur, sois béni de bénédictions d'en haut, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta journée, je bénis ta carrière, je bénis ton travail, je bénis tes enfants, je bénis ta maison, je bénis ton salon, je bénis ta chambre, je bénis ta cuisine, je bénis tes toilettes, je bénis ton plat, je bénis ta cuillère, je bénis ta fourchette, je bénis ton couteau. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, sois béni, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, quelqu'un te bénit, il est béni. Quelqu'un te maudit, il est maudit. Telle est l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans ta vie. Cette année, c'est ton année. Dieu te fera régner cette année. Qu'il en soit ainsi. Et reste dans cette foi. Au nom de Jésus de Nazareth, amen. Demain, rendez-vous dès qu'il sera 10 heures. Tout à l'heure, pour tout Yaoundé et ses environs, prends ton taxi, prends ta voiture, viens à la bille ce soir pour ce grand programme où Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Momine, moi, nous vous aimons.